Ouais. Oh la vache! Ah les gars, c'est très costaud. Hein. C'est très très costaud. Ah, je m'y attendais pas, j'étais en train de planer. Je me demande si c'est pas un barbeau. Je sais pas, c'est extrêmement violent. C'est dans le courant, je peux rien faire. Oh la vache. Oh là là, oh là là, t'as vu ça? Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Ça filme, on est en direct. J'essaie de le contraindre un peu. Voilà, je l'ai fait sortir du courant. Il veut pas. Ça n'a pas l'air d'être un chevesne. Le jour où j'ai pas d'épuisette. Quoique, il vient vers moi. Ah si, c'est un beau chécheux. Oh la vache, je me fais détruire. Ah, en 10 grammes. Allez, regardez ça. Beau petit chub. Il en a marre déjà. Ah mais je suis en 13 centième donc ça risque rien. Bon, on va commencer à préparer un peu le truc. Ah, il va se remettre dans le courant, il va se remettre dans le courant. Il faut pas, il faut pas. Bon, attendez, on va le laisser un petit peu se battre. Je prépare la pince. Dali, dali, hop là. Voilà. Non, 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 non. Tu m'expliques ça, pourquoi j'ai pas pris d'épuisette? Oh, ce chevesne, mon pote! Ah, ça y est, je cherche même pas, j'ai compris. Ils sont dedans. Et ils sont chauds. C'est bon, black bass. Yes, woo, black bass. Il est plus beau celui-là. Il est plus beau celui-là. Yes, voilà les copains, beau bass à la frog. Enfin, voilà, je savais comment il fallait les faire. En fait, il faut les faire sortir de dans le truc, quoi. C'est un truc de malade. Superbe. Hop, 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 hop. Tu sais, ils sentent l'eau. Bon, les potos, voilà le chub. Ah, c'est un beau 55 ça. Magnifique, un monstre. Je croyais que je le sortirais pas lui. Allez, on va le release proprement. Allez, on va le refoutre à l'eau gentiment.
Wow. T'excites pas. Voilà, c'est reparti. Hey, salut mon pote. Putain, mais j'avais pas pris d'épui. Je suis éteint. Bon, il y a encore des petites choses à faire, mais le lancer, c'est plutôt facile. Après, il faut faire super gaffe à pas se foutre la mouche dans la gueule. Parce que là tu t'arraches. Là, il y a double hameçon simple. Yes, broché. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Broché. Magnifique. Premier broché à la mouche. Ah, je l'ai vu. Est-ce qu'il va arriver jusqu'à dans l'épuisette? Yes. Yes, les pattes. Premier brochet à la mouche. Et ça filme. J'ai voulu vérifier, j'étais pas sûr. Oh là 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 là, magnifique les pattes. Premier pike à la mouche. Yes. Bon, voilà les copains. Le premier pike à la mouche de ma vie, de lancer. Allez, on le release. Repars. Allez, repars mon ami. Voilà, salut. Yes les copains, premier brochet à la bouche. Trois lancers, je commence à peine la bouche de toute ma vie. Je viens d'acheter une canne. Et voilà. Eh ouais, c'est hyper efficace. Il fait du basse là sous la bordure. Là, ça va? Ah oui, c'est dangereux. Ah, j'ai un basse. Et il est beau. Enfin, il est sympa. Oh non, il est pas si gros. Ah bah c'est bon, décro. C'est pas grave, nickel. Mon gars, j'ai fait tomber la boîte de l'heure. Et trouvez-moi, il y en a partout des l'heure. C'est vrai? Ouais, ah merde, bon, on dirait les ramasser. Bon ben voilà. C'est décro au bord, mais c'est pas grave. Regarde ça. Tu vas tirer? Bah ouais, mais j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. T'as un basse? Ouais, il est bloqué. Ah, il m'a décroché, il m'a mis dans la branche. Merde, ouais, désolé. Il me fout le noir là-bas, mon gars, sur le bord. Il me fout le noir. C'est pour son chat? Ah. Ou c'est un gros bass? Non, non, il est trop au bout de... Tapis. Ah. Oh le bâtard! Ah, comment il te l'a mis? Il m'a séché! Comme il a fait. Oh là 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 là, regarde ça. Attends, c'est clair, on va se cracher. Il me l'a cramé, regardez ça les gars. Il m'a mis la zermie de l'année. Ah bah lui il m'a expliqué. Ah oui oui quand même ouais. Ouais pas mal après bon je parle. Bah en fait il m'a dit regarde. Regarde, je vais te faire fermer ta gueule toi le pêcheur là. Non,